Ça y est, Léo Messi a signé au FC Miami aux États-Unis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Léo Messi, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien. Sur cette chaîne, on parle de foot. Sur cette chaîne, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, les gars, la nouvelle est tombée. Depuis un bon moment, les gars, Léo Messi est un joueur du FC Miami aux États-Unis, les gars. Il est parti aux États-Unis. Franchement, c'est la fin d'une ère, les gars. Ronaldo est parti en Arabie Saoudite il y a environ 6 mois. Ensuite, Benzema est parti en Arabie Saoudite. Maintenant, c'est au tour de Léo Messi d'aller aux États-Unis. Ça montre vraiment qu'on est en train de vivre la fin d'une ère. Messi, Ronaldo, Benzema, etc. Bientôt même, vous allez suivre que Lewandowski aussi est parti en Chine. Bref, c'est vraiment la fin d'une ère, les gars. C'est vraiment la fin d'une ère. Mais ce que moi je retiens, c'est que Messi a dit dans un communiqué que, un, au PSG, la première année, c'était très difficile pour lui. La deuxième année, les 6 premiers mois, il se sentait bien. Ensuite, après la Coupe du Monde, bizarrement, au lieu qu'il se sentait mieux parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, bizarrement, les choses ont mal tourné. Ça a mal tourné, il ne se sentait plus bien avec sa famille, etc. Deuxième chose que je retiens, c'est que il a dit qu'il ne pensait pas que son retour au FC Barcelone devait faire l'unanimité. Il a dit qu'il passait son temps à discuter avec Xavi, que la seule personne avec qui il discutait au FC Barcelone, c'est Xavi. Qu'il ne pensait vraiment pas que son retour au FC Barcelone était accueilli par tout le monde. Donc, il a préféré se mettre à l'écart, il a préféré aller aux États-Unis, les gars. Donc, on respecte son choix parce que c'est un mec qui a tout donné, Messi a tout donné dans le foot, les gars. Il a tout gagné. On respecte son choix et moi, ça me fait quand même mal parce que je pense que c'est un joueur qui avait encore nouveau pour jouer en Europe. Mais dommage, une fois de plus, on respecte son choix. Il a tout donné pour le foot et on ne peut que lui souhaiter le meilleur. Donc voilà ce que je voulais partager un peu avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.